Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment très facilement et très simplement faire pousser le chou debout chez vous. Remplissez le contenant de votre choix d'un substrat riche en matière organique pour bien faire pousser votre chou. Bienvenue sur Agripreneur en action. Ici, on parle exclusivement d'agriculture. Alors, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Environ 3 semaines après le semis de vos graines, vous obtiendrez des plantules de cette taille. À ce stade, séparez les plantules. Mettez-en un par contenant pour les permettre d'avoir assez d'espace pour bien se développer. Pour ce faire, tâchez de retirer délicatement les jeunes plantules depuis la racine. Replantez-les de cette façon. N'oubliez pas, arrosez abondamment juste après le repiquage. Après le repiquage, faites un premier apport d'engrais à votre jeune plante pour booster sa croissance. Épandez votre engrais dans le creux tout autour du jeune plant de cette façon. La quantité à épandre est de 10 g, l'équivalent de 2 bouchons de bouteilles de soda. Pour finir, arrosez. Au 30e jour, on va faire un deuxième apport d'engrais. 10 g de NPK 15, 20, 20. Pour ce faire, épandez simplement votre engrais tout autour de votre plant de chou. Et arrosez. Au 52e jour, faire un autre apport de 3 g d'urée. On va encore faire un autre apport de 3 g d'urée. Et rappelez-vous d'arroser juste après. Votre chou est prêt à être récolté. Un signe qui confirmera cela est la fermeté de la boule de chou. Pour récolter, enlevez simplement les vieilles feuilles autour de votre chou, de cette manière. À l'aide d'un couteau, coupez simplement la boule de chou.
Voilà, comme promis, vous avez appris comment faire le chou depuis chez vous. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo.